on va avoir un problème de communication, ils vont avoir du mal à trouver quelle est leur place vraiment, et avec le temps et l'âge, la maturité sexuelle du chiot venant, on risque d'avoir des conflits très très forts. Vous avez déjà un chien et vous voulez intégrer un chiot à la maison. Vous voulez que tout se passe bien, vous vous demandez donc comment faire. Vous avez peur que votre chien plus âgé ait du mal à accepter ce nouvel arrivé. Alors comment faire? Comment procéder pour l'arrivée de cette nouvelle boule de poils? On va voir ensemble donc trois points sur lesquels il faut veiller, trois chemins en quelque sorte à suivre qui vont vous aider à faire cette première rencontre et faire en sorte qu'elle se passe le mieux possible. J'espère que ces conseils vont vous aider. Si c'est le cas, si vous les trouvez pertinents, n'hésitez pas à nous encourager en mettant un j'aime sur cette vidéo ou à la partager également pour que d'autres puissent en profiter. La première chose à faire quand on a un nouveau chiot, un nouveau chien qui arrive à la maison, est justement de ne pas faire la rencontre à la maison. Pourquoi ? Votre chien a déjà des acquis. Il a la ressource affective que vous représentez. Il a les endroits de couchage. Il a les endroits où il mange. Il a son territoire. Il y a plein de choses qui sont des acquis pour lui. Et il peut voir ce nouvel arrivant comme, en quelque sorte, un individu qui va vouloir lui prendre un petit peu ses acquis. Donc la première chose, c'est de prendre en compte que le premier contact est très important. Comme la première rencontre avec une personne, vous allez vous faire en quelque sorte une opinion très rapidement, soit ça passe, soit ça passe pas. Donc l'idéal, vous comprenez là, c'est que ça passe bien, ça matche bien entre votre chien plus âgé et ce nouveau chiot. Donc, première chose, une rencontre à l'extérieur, en terrain neutre. Là où il y a le moins de ressources à protéger possible. Une fois que vous avez fait cette première rencontre en extérieur, en terrain neutre, il va falloir ramener les deux loulous à la maison et faire en sorte que ça se passe bien. Comme je vous en ai parlé précédemment, votre chien fait ce qu'on appelle des protections de ressources. Alors sans être agressif parce qu'il a son jouet ou parce qu'il est couché dans son panier ou parce qu'il est à côté de vous, ressources affectives, il peut tout simplement vouloir se mettre en barrage, s'interposer, ce qui va être relativement normal en quelque sorte puisque il va chercher un petit peu à faire comprendre à ce nouvel arrivant quelle place il va pouvoir occuper à la maison. À savoir qu'il ne pourra pas y avoir d'égalité. Vous devez donc laisser votre chien plus âgé montrer un peu quelles sont les règles ici et comment ça fonctionne. Pour ce faire et que ce soit plus facile, on va diminuer en quelque sorte la valeur des ressources au début. Je vais éviter de caresser mon chien en voulant lui indiquer comme ça, sois gentil. Parce que quand je fais ça, je rajoute une ressource affective et donc une potentielle situation de compétition si l'autre chiot arrive à ce moment-là. Et là, mon chien qui est là depuis un moment peut montrer les dents, grogner, réagir et faire comprendre à ce nouvel arrivant, c'est ma ressource affective, tu t'en approches pas comme ça. L'erreur serait donc d'en rajouter de la ressource affective pour en plus après disputer parce que il y avait une situation de compétition. Donc je limite un maximum dans les premiers moments la compétition sur les ressources. Donc ne pas les faire manger en même temps, on va éviter les os, les jeux, les situations de compétition assez fortes. Dès le début, on va essayer un petit peu de voir comment ça se passe dans les situations les plus neutres possibles. Donc voilà pour ce deuxième point, on veille aux protections de ressources et on limite donc la compétition sur ces ressources. Troisième chose qui me semble très importante et que je vois très souvent, on l'a vu encore hier dans une intervention chez un client qui vient d'acquérir un chiot de 2 mois et demi, 3 mois avec un chien qui a à peine 1 an, c'est que dès que les chiens commençaient à interagir un peu entre eux, que ça grogne, que ça semble en quelque sorte se chamailler, l'humain a tendance parfois à faire comme il ferait avec des enfants, genre « Eh, on se calme, hein, vous battez pas ». Sauf que ces interactions-là, ce sont des interactions canines normales. Si vous intervenez à chaque fois que ça commence
à jouer, à se jauger un petit peu. D'une, vous ne laissez pas les interactions se terminer. Donc, on va avoir un problème de communication. Ils vont avoir du mal à trouver quelle est leur place vraiment. Et avec le temps et l'âge, la maturité sexuelle du chiot venant, on risque d'avoir des conflits très très forts. Parce qu'on est toujours intervenu. Puis autre point, votre chien plus vieux, bah, il va vous aider. Il fait le job en fait. Il est en train de calmer le chiot et de lui faire comprendre que par moment, il y va trop loin. Il continue le travail qui a été fait par la mère dans la portée, avec la fratrie. Donc, bien sûr, vous pouvez imposer que pas de jeu de bagarre dans la maison parce que bah, c'est plus en extérieur. Sinon, si c'est des chiots, des chiens d'un assez gros modèle, ils vont vous retourner le salon. Mais évitez d'intervenir toutes les deux secondes parce que ça grogne un peu, parce que ça fait un petit niaf, parce que ça a été un petit peu plus brutal que ce que vous auriez espéré. Ce sont des interactions de chiens normales dans la plupart des cas. Et il faut laisser faire pour que l'équilibre s'installe dans le groupe. Voilà les quelques conseils que je pouvais vous apporter. Donc rencontre en extérieur, terrain neutre, on évite les situations de compétition sur les ressources et on leur fout un peu la paix, on les laisse interagir entre eux pour que chacun trouve sa place. Si vous rencontrez des difficultés particulières, n'hésitez pas à faire appel à un éducateur comportementaliste Respect Dogs que vous pouvez trouver sur notre site www.respectdogs.fr. Si vous êtes passionné par le comportement du chien, que vous souhaitez devenir comportementaliste canin, allez jeter un œil sur la formation que je propose également sur l'onglet formation de mon site www.respectdogs.fr. À bientôt pour une nouvelle vidéo.